la paix afin de toucher le cœur du pouvoir de Yaoundé et décrisper la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'engorgement au port autonome de Douala suscite des grincements de dents chez les opérateurs économiques, notamment ceux qui souhaitent pouvoir enlever leurs véhicules importés. Les différents acteurs du port se sont retrouvés à Douala afin d'évoquer une situation de sortie de crise. Vous les écouterez dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Quel sort sera réservé à la conférence générale anglophone? Elle est annulée pour son rendez-vous prévu les 21 et 22 novembre 2018, mais le cardinal Christian Toumi refuse de parler d'annulation. Il préfère évoquer le terme de report. Cependant, aucune date officielle n'a été communiquée jusqu'ici. Les organisateurs de la conférence générale anglophone disent attendre une autorisation légale de la part des autorités. Des explications avec Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Nous reviendrons sur ce reportage. Je vous propose à présent de suivre les difficultés rencontrées par le cardinal Christian Toumi et les co-organisateurs de la conférence générale anglophone. Depuis son annonce en juillet 2018, il y a eu des appréhensions et des critiques qui ont fusé de toutes parts. Première rencontre devait se tenir en principe à la fin du mois d'août 2018. Elle a été reportée, cette conférence, en novembre 2018 et aujourd'hui, aucune nouvelle date n'a été fixée. Évocation avec Eric Martial Ndiomo. Annoncée initialement pour les 29 et 30 août 2018, la troisième All Anglophone Conference avait dès sa formulation suscité de nombreuses réticences. Pour un succès de cette conférence, les initiateurs et notamment le cardinal Christian Toumi avaient présenté des préalables. Parmi eux, la libération de toutes les personnes incarcérées dans le cadre de la crise anglophone, la démilitarisation des régions anglophones et les garanties de participation sans crainte d'interpellation de tous les acteurs, ceux de la diaspora compris. À cette doléance, le gouvernement et plusieurs personnalités s'étaient montrés complètement opposés. Le maire de Bouya avait fermement marqué sa désapprobation face à la tenue de cette conférence générale anglophone à Bouya, alors que Issa Tiroma Bakary avait balayé du revers de la main les doléances des initiateurs. Certains analystes évoquaient aussi la proximité avec le lancement de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 octobre pour justifier le premier renvoi. La deuxième date arrêtée fut les 21 et 22 novembre 2018. Là encore, alors que tout se préparait sereinement, Simon Munzu, président du comité d'organisation et pilier important des premiers et deuxièmes All Anglophone Conference, a décidé de claquer la porte pour des raisons de sécurité personnelle ainsi que celle de sa famille. Les nombreuses pressions politiques, le peu de garanties sécuritaires, l'absence d'engouement du gouvernement et les menaces proférées par certains acteurs sont des facteurs qui jusqu'ici ralentissent l'effectivité de la tenue de ce All Anglophone Conference, une fois encore renvoyé. Et à propos de ce report dont la date reste jusqu'ici inconnue, je vous propose d'écouter le cardinal Christian Toumi, archevêque émérite de Douala, qui revient sur les raisons de ce deuxième report et les attentes des organisateurs de la conférence générale anglophone. The government has a lot in its hands, and we do not know what is in mind of the government. But all we can state here clearly is that we have not received a written response from the government. But we hope that with the trying times and understanding that our people are dying and the anglophone problem is still at stake, we are very convinced that in no distant time, government will give a written response and that will enable us to reconvene the conference. L'État n'a pas annulé la conférence. Ils ont dit pas maintenant. Donc nous continuons à préparer la conférence. Peut-être on va vous... Vous venez de suivre les précisions du cardinal Christian Toumi sur les raisons de ce deuxième report de la conférence générale anglophone. Le gouvernement qui a dit pas maintenant pour les travaux qui devaient pourtant rassembler les populations des régions
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour discuter des causes profondes de la crise anglophone et également identifier les représentants afin de pouvoir aller vers Yaoundé pour l'ouverture d'un dialogue inclusif sur cette crise anglophone. Pendant ce temps, la situation ne cesse de se dégrader dans certaines localités des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et ce soir, ce sont des étudiants des universités de Boya et Bamenda qui ont décidé d'entonner des chants et des louanges de la paix afin de toucher le cœur de Yaoundé pour s'engager sur la voie du dialogue. Ces étudiants qui sont au centre de ces affrontements armés entre des groupes séparatistes et les forces de sécurité et de défense, ils ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux. On voit tout cela dans ce reportage que signe Gladys Sidier. Des enfants en larmes, des familles entières désormais sans domicile, des écoles incendiées, ce sont les images de la guerre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. L'horreur est décriée par des jeunes qui brandissent le drapeau blanc. Il s'agit des étudiants de l'université de Bamenda. Ils accentuent la pression sur le gouvernement pour un retour à la paix dans les régions anglophones. Nous voulons aller à l'école, mais nous ne voulons pas mourir. Notre droit à l'éducation est pris en otage par la violence. Monsieur le Président, nous voulons des actions concrètes, des messages qui circulent sur les réseaux sociaux et qui s'inscrivent dans le cadre d'une campagne entamée le 19 novembre et qui va s'étendre sur une semaine. Les plateformes concernées sont Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, entre autres. Durant cette campagne, les photos de profil des étudiants ont été remplacées par des messages de paix, de non-violence. Les étudiants de l'université de Bamenda demandent la démilitarisation des régions anglophones, le retour inconditionnel des élèves à l'école. Ils appellent au pardon et au dialogue politique. Ils militent tous pour une solution pacifique de la crise anglophone. C'est le cri de détresse d'une jeunesse qui ne demande qu'à s'instruire. Et 4 ans après cette crise sécuritaire observée à l'extrême nord du Cameroun, des élèves sont enfin de retour dans les établissements scolaires. Les familles également commencent à retrouver leurs anciennes résidences dans plusieurs localités situées à l'extrême nord, une région qui a été en proie avec la lutte contre le terrorisme, notamment les exactions menées par la secte Boko Haram. On voit tout cela dans ce reportage que signent également Amadou Daïrou et Xavier Foka. Gétiwi, village situé dans l'arrondissement de Mosogo, département du Mayo-Tianaga dans l'extrême nord du Cameroun. Maisons, marchés, établissements scolaires et autres biens ont été détruits et incendiés par les terroristes, conduisant au déplacement des habitants qui ont fui les atrocités de la secte Boko Haram. Les enfants se déplacent, certains même sont morts. Par exemple, à Baljouel, à 5 km d'ici. Bon, il y a eu des élèves qui ont été calcinés parce qu'on a brûlé tout le village. Le village a foué. Donc, il y a eu un impact sur la scolarisation des enfants. Un impact négatif. 4 ans plus tard, les jeunes élèves de la localité peuvent fièrement retourner à l'école dans ces bâtiments flambant neufs, réhabilités par le programme d'appui à l'initiative communautaire. Il y avait beaucoup de déplacés dans notre village, mais après cet rétablissement de ces salles de classe, beaucoup sont retournés au village, mais les 5 années passées, on avait passé des années en difficulté. À l'exemple, moi-même, j'ai fait 2 années blanches. Pour réussir le pari de la reprise de l'école, il a fallu le retour de la paix grâce aux forces de sécurité qui y veillent désormais. Il y a la sécurité, les forces de l'ordre se battent au quotidien et de divers corps. Il y a ici la police, il y a le GPIN qui est juste derrière nous et qui nous encadre. Ça rassure les parents, ça rassure les élèves, ça rassure les enseignants. Le village fantôme n'est plus qu'un souvenir dans les mémoires des habitants de Gétiwi. Les salles de classe, quand tu passes des passages même, ça veut dire que le BH qui faisait gaffe chez nous, maintenant, ça, dans notre tête, on a enlevé. On faisait qu'avec nous. Nos enfants, même nous, ont le courage de venir à l'école, vu les salles de classe. L'école, avec tout son mobilier, ont été réceptionnés et inaugurés en présence des élèves, la population, les autorités administratives, traditionnelles et religieuses. Dans un tel contexte, les droits des enfants sont-ils garantis et respectés au Cameroun?
l'UNICEF pose un diagnostic sans complaisance sur des insuffisances observées dans la politique de protection des droits des enfants. Mais le gouvernement, lui, se félicite des actions menées jusqu'ici pour garantir les droits des enfants au Cameroun. Des précisions dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Guy Zogo. La Journée mondiale de l'enfance, un événement qui se célèbre tous les 20 novembre, vient de donner l'occasion au ministère des Affaires sociales, accompagné par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, de repréciser au cours d'une cérémonie à Yaoundé combien cette question est centrale. À travers la thématique choisie cette année par les Nations Unies, à savoir les enfants prennent les commandes et peignent le monde en bleu, il est question d'interpeller toute la communauté sur la nécessité de bâtir un monde dans lequel chaque enfant est scolarisé, à l'abri des dangers et à même de réaliser son potentiel. Au ministère des Affaires sociales, cette journée mondiale de l'enfance permet de mettre en avant les réalisations du Cameroun dans le domaine de la protection de l'enfance, avec, outre la ratification des instruments internationaux, la mise en place des mécanismes nationaux. Sur le plan national, il y a des outils spécifiques au Cameroun. Il y a un document de politique nationale de protection de l'enfant, il y a un document de politique de développement de la petite enfance, il y a des documents spécifiques, le plan stratégique de protection des orphelins et autres enfants vulnérables, il y a sur le plan de l'éducation, la loi d'orientation de l'éducation, ce qui permet effectivement de garantir l'accès des enfants à l'éducation. Pourtant, pour sa part, l'UNICEF souligne des insuffisances, notamment dans les zones où le Cameroun doit actuellement faire face à des crises sécuritaires. Il y a encore des droits qui mériteraient d'être plus promus, mais plus garantis. Le pays est affecté par des situations de crise et évidemment dans ces zones géographiques où l'insécurité prévaut, la réalisation des droits de l'enfant est d'autant plus difficile. La Journée internationale de l'enfance ou des droits de l'enfant se célèbre relativement à la date anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant par les Nations Unies le 20 novembre 1989. Partons à Yaoundé où le directeur de campagne de Maurice Kamto porte plainte contre certains policiers engagés dans les équipes spéciales d'intervention rapide. Paul-Éric Kingé les accuse de vol par effraction et menaces de mort qui l'ont poussé à être en cavale, soupçonnant d'être une cible pour ses choix politiques. Il exige l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs de ces infractions menées chez lui et les sanctionner. Précision dans ce reportage que signent Marcelin Gansop et Joël Essengue. C'est de retour d'un isolement forcé que Paul-Éric Kingé constate les dégâts de l'assaut dont son domicile a été l'objet le dimanche 21 octobre 2018. Les gars débarquent chez moi un dimanche, sans mandat administratif ni judiciaire. Même si le mandat avait existé, aucun mandat ne permet qu'on entre chez quelqu'un un dimanche aux environs de 21h. La scène s'est déroulée entre 20h et 21h. Ils ont cassé ma porte et cette effraction peut être vue. Alors que c'est moi qui venais chercher, j'avais posé 8 caméras professionnelles dans un coin de ma chambre. Ils sont partis avec 4 caméras. En sortant, ils se sont mis à vider complètement mon bar. Le directeur de campagne de Maurice Kamto, lors de la récente présidentielle, dénonce la destruction et le vol de plusieurs biens de valeur, en plus de la violence physique dont ses proches ont été victimes. Mes chiens ont commencé à aboyer et voyant qu'ils n'avaient pas de possibilité d'avancer, un d'entre eux, d'après le rapport que j'ai reçu, s'est retiré et a versé dans mon jardin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a versé, et les chiens sont venus humer ce qu'il a versé. Et tous les chiens sont morts le lendemain, tous. Ils étaient 5 qui n'étaient pas attachés, qui leur a donné autorisation d'entrer chez moi par effraction, de voler, de tenter de violer la jeune fille qu'ils ont trouvée. Cette jeune fille, je vous dis, elle est encore traumatisée jusqu'ici. Mon gardien a été brutalisé. D'ailleurs, si vous le regardez, je crois, sauf si ça s'est amélioré, il a encore du bleu à l'œil. C'est fort de tout cela que Paul-Éric Kingé a saisi le DGSN par le biais d'une plainte pour violation de domicile, destruction, tentative d'assassinat, menace de mort, homicide de chien et autres vols aggravés. Cette situation a créé une cavale
J'ai été en cavale pendant 3 semaines et je ne suis revenu qu'il y a 2 jours. Cette fois-là, pour leur dire de venir donc, hein, de venir chez moi. Parce que là, cette fois-là, ils me trouveront. Donc, je n'ai pas à me cacher. La plainte déposée le vendredi 16 novembre est en exploitation à la DGSN. Paul-Éric Kingé pense que le chef de corps, Martin Bagangélé, va s'évertuer à lui donner la suite qu'elle mérite. Il m'a semblé entendre de temps en temps que le délégué général à la sécurité nationale a essayé de mettre de l'ordre dans la police. Mais ceux qui sont arrivés chez moi ne sont ni plus ni moins que des bandits. Je dis que c'est des policiers bandits. C'est des gars qui méritent d'être extirpés de ce corps. Je reste convaincu que ces gars l'ont fait de leur propre zèle. Mais comme ils disaient qu'ils étaient envoyés par le délégué général à la sécurité nationale, je prends le peuple camerounais à témoin. Je vais me rendre à la DGSN pour vérifier où est-ce qu'on en est avec ce courrier. Le DGSN ne peut pas garder par devers lui une telle plainte qui est suffisamment grave. En attendant, Paul-Éric Kingé dit ne pas comprendre cet acharnement contre sa personne, comme si le fait d'être directeur de campagne de Maurice Kamto faisait de lui un homme à abattre. C'est une affaire à suivre. Dans le reste de l'actualité, des opérateurs économiques éprouvent de sérieuses difficultés dans les procédures des dédouanements des véhicules importés au port autonome de Douala. D'aucuns dénoncent un engagement qui provoque un manque à gagner pour ces opérateurs économiques. Les responsables des douanes et autres acteurs portuaires se sont retrouvés à Douala afin de trouver des solutions de sortie de crise. Reportage Flavien Valondongo. L'engorgement de l'espace portuaire à Douala a encore provoqué la grogne des opérateurs économiques. Ils déplorent les lenteurs observées dans le dédouanement des véhicules. Au niveau de la douane, ça ralentit même l'économie. Parce que, au fait, avant, celui qui avait un capital pour payer 10 voitures, il ne peut plus payer 10 voitures. Il importe 2, 3, il reste tranquille. Le nouveau système informatique, censé fluidifier l'enlèvement des marchandises, s'avère un véritable casse-tête pour les acteurs portuaires. Ils disent qu'ils ne maîtrisaient pas. Et d'après le renseignement que nous avons, l'administration a dit que bon, faites sortir cette vague de voitures. Pendant ce temps, vous maîtrisez le système. Je suis surpris, je suis en colère. Parce que quand on arrive comme ça, les gens se plaignent tous les jours. Depuis le 1er novembre 2018, 771 dossiers des usagers ont été traités par le guichet unique du commerce extérieur. 300 sont en contentieux pour diverses raisons. Et on a constaté que malgré cette nouveauté, il y a eu des petits soucis techniques qui empêchaient à certains opérateurs d'effectuer de façon convenable leurs opérations. Le reconnaissement, la carte du contribuable et les différentes copies des cartes grises. Cela, il y a encore des petits soucis techniques. La direction générale des douanes, qui reconnaît ces défauts, entend former le personnel chargé de faciliter le dédouanement des marchandises importées. Nous avons aussi demandé à la SGS et au guichet unique de renforcer la sensibilisation, de renforcer la formation et d'accompagner, n'est-ce pas, les différentes opérateurs pendant cette phase de transition. Et comme la phase de transition pour jusqu'au 31 décembre 2018. Au terme de cette formation du personnel et de la mise en place effective du nouveau système de dédouanement des véhicules au port de Douala, l'année 2019 sera déterminante pour la douane camerounaise qui passe en ce moment du mauvais temps. Parlons à présent de la fièvre électorale qui s'est emparée de l'ordre des avocats du Cameroun à quelques jours de l'Assemblée générale élective. Le bâtonnier Maître Jackson Nyekamga met son bâtonnet en jeu, candidat à sa propre succession. Il a face à lui deux principaux challengers et des jeunes loups qui visent des postes au sein du Conseil de l'Ordre. On voit tout cela dans ce reportage que signent Georges Mitterrandam, Dallas Kana, Innocent Abega et Donald Brice Kamga. Trois groupes sont en scène à l'occasion de cette Assemblée générale élective de l'Ordre des avocats du Cameroun. D'abord, le groupe dit des indépendants, une idée de Maître Joseph-Claude Biliga. Il est différent des deux autres en ce qu'il n'est pas forcément aligné au compte d'un candidat particulier pour le poste de bâtonnier, même si au sein de cette équipe, Maître Ernest Sitandi Douga vise le bâtonnat. Nous avons pensé que nous n'allons pas nous aligner, dans certains nous appellent même les non-alignés, que ce qui est important, c'est le message que nous portons vers nos frères, vers nos confrères, et l'engagement que nous aurons à travailler, quel que soit le bâtonnier. Donc nous sommes indépendants,
Et nous avons, notre devise c'est « Live another way ». Ça fait l'or, L-A-W. Ça veut dire nous voulons vivre d'une autre manière. En face, il y a les deux autres figures. D'abord, Maître Charles Tchakountepatier. Il propose son programme en 5 axes avec un ancrage sur la modernisation et les prospectives, le rayonnement du barreau, la protection des avocats, mais aussi l'équilibre entre les deux normes et cultures juridiques du Cameroun. Il est important pour un vice-président pour pouvoir porter les problèmes des jeunes avocats. Vous ne pouvez pas porter le problème des jeunes avocats si vous ne connaissez pas déjà les problèmes auxquels ils sont confrontés. J'ai ouvert le cabinet depuis janvier 2017, donc je maîtrise les problèmes parce que ici à mon cabinet, j'ai des collaborateurs. Dans le manifeste, le programme de Bâtonnier Tchakounté, il y a un volet qui nous a séduit, notamment les facilités, l'intégration des avocats issus de Law School. Maître Jackson Nyekamga, le bâtonnier sortant, fait le bilan de son mandat achevé dans un manifeste et propose en 7 points principaux les moyens de renforcer la crédibilité et la protection de l'avocat à travers notamment la mise en œuvre d'une sécurité sociale. On peut servir l'ordre. Certes, pour être membre du conseil de l'ordre, il faut, je pense à mon humble avis, il faut déjà faire, il faut avoir des états de service. Il faut que tes confrères au quotidien voient ce que tu fais. Je suis de l'équipe de Jackson Nyekamga parce que j'ai travaillé avec lui, mais ça ne veut pas pour autant dire que je ne veux pas travailler avec un autre bâtonnier. Sur le plan international, vous l'avez vu bien, nous aujourd'hui on nous écoute, on est sur le plan, on nous connaît, on ne t'est pas connu il y a quelque temps. On savait qu'il y avait un barreau, mais est-ce que ce barreau était audible? Est-ce qu'il y avait une visibilité? Oui, ce barreau aujourd'hui est visible. Le bâtonnier en chair est président de la conférence des bâtonniers de l'espace OADA, ce qu'on n'avait pas hier. Après plusieurs reports pour divers motifs, l'Assemblée générale élective de l'Ordre des avocats du Cameroun est prévue samedi prochain à Douala. Quelques 2000 avocats sont attendus à ces assises, avec au menu également l'élection au préalable de l'exécutif de l'Assemblée générale, du conseil de l'Ordre et enfin du bâtonnier. La valorisation des marécages est une préoccupation majeure pour des municipalités. Ces espaces sont jusqu'ici le théâtre d'une exploitation anarchique et d'une urbanisation galopante. Pour changer la donne, Yaoundé 6 fait appel aux experts italiens pour évaluer ces espaces afin d'envisager la construction des infrastructures sociales. Reportage Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Il n'y a pas de temps à perdre. Après l'inspection des sites, place aux actions concrètes de terrain et notamment les levées topographiques. Voilà la superficie sur laquelle nous devons, n'est-ce pas, faire des investissements du centre hospitalier monde moderne, du centre multimédia, de l'hôpital de référence, il faut le dire aussi, et puis un hôtel, l'hôpital de référence également, logements sociaux, moyens hauts stand-in, comme vous constatez, c'est une zone marécageuse. Donc il faut absolument un travail spécifique qui sera fait. Pour cela, il faudrait avoir la lecture du sol jusqu'à un niveau minimal de 70 mètres du sol. Minimal, voire 100 mètres. C'est un préalable avant le début des études, lesquelles vont ouvrir la voie à la mise en route des projets sociaux dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 6. Dans un futur très proche, nous allons transformer non seulement ce coin de la commune de Yaoundé 6, mais la commune de Yaoundé 6 tout entière. Je pense qu'en réalité, le problème foncier, c'est un problème récurrent à Yaoundé 6. Pour tout dire, la commune que j'ai héritée il y a un an, bientôt deux mois, n'avait pas sur le plan foncier un domaine qui était le sien. Les levées topographiques sont d'autant plus importantes que l'on est en présence des zones marécageuses. Dans un contexte marqué par la rareté des réserves foncières, c'est dans ces zones que seront implantés les différents projets. Une option qui permet à l'exécutif municipal de Yaoundé 6 de mettre un terme aux colonisations sauvages, des marécages et autres bas-fonds, tout en les valorisant dans l'intérêt supérieur de l'ensemble de la communauté. Donc nous avons donc pensé à récupérer et surtout valoriser les zones marécageuses, parce qu'il faut vous dire, on peut également faire des constructions sur des zones marécageuses, mais pourvu que ces zones soient fortement viabilisées en fonction de l'investissement ou de la construction qu'on veut faire. Et c'est important de le dire pour l'intérêt des populations. Donc nous ne venons pas chasser les populations qui s'y sont installées peut-être de façon illégale, mais nous venons améliorer un cadre qui va permettre
permettre que ces populations puissent y être davantage bien installées. Il s'agit à coup sûr d'un exemple à copier dans une ville de Yaoundé où les marécages et autres bas-fonds sont abandonnés, servant d'abri aux malfrats et autres fumeurs de chanvre indien, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'occupations illégales de la part de la population, obligée de faire contre mauvaise fortune bon cœur, en affrontant constamment les inondations en cas de pluie diluvienne dans la capitale. Le Cameroun peaufine sa stratégie contre d'éventuelles attaques nucléaires. Un programme est en cours d'élaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les premiers tests pourraient être effectués d'ici la CAN 2019. Élisée Bokba et Ike Cyril nous en disent plus dans ce reportage. Sécurité garantie pendant la CAN 2019 au Cameroun, si l'on en croit le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Madeleine Tuente annonce que si les agresseurs devaient même passer par des attaques nucléaires, le pays est prêt pour parer à toute éventualité. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2019, nous avons déjà une équipe formée pour que s'il y a des individus mal intentionnés qui veulent venir chez nous pour nous déranger avec des substances nucléaires, ils seront arrêtés directement au port parce que nous avons des appareils pour contrôler les entrées de tous ces produits-là au Cameroun. Nous sommes aidés en cela par la coopération internationale, mais surtout par l'AIEA. L'AIEA qui est comme le garant de tout le nucléaire pacifique dans le monde. L'annonce est faite alors que le Cameroun prépare le nouveau programme cadre national de la coopération technique avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA. Réunis dans le cadre d'un séminaire à Yaoundé, des experts recensent les priorités nationales à inscrire dans ce programme pour donner une nouvelle impulsion au développement socio-économique du Cameroun. Pendant l'élaboration du nouveau PCN, il est indispensable de prendre en compte les objectifs nationaux de développement condensés dans les différents documents de stratégie sectorielle et souvent repris par des organismes bilatéraux et multilatéraux d'appui, afin de rationaliser l'utilisation des ressources disponibles et amplifier les impacts des résultats des projets. Que le PCN élaboré par le présent atelier reflète que le souci de valoriser les techniques nucléaires éprouvées pour accélérer le développement socio-économique de notre pays. La rencontre est organisée par l'Agence nationale de radioprotection, entendu comme guide et support de la coopération technique entre le Cameroun et l'AIEA, le PCN en préparation sera valable de 2019 à 2023. Un publi-reportage dans ce journal. Dans l'arrondissement de Loum, la mutuelle communautaire de croissance s'engage dans des actions sociales au bénéfice des populations. Reportage. Sans pulvérisateur, 150 tables bancs, 10 lits d'hospitalisation équipés de matelas thérapeutiques, 100 bourses scolaires d'une valeur de 25 000 francs CFA chacune, ce sont là les dons que la mutuelle communautaire de croissance MC2 de Loum a offert aux populations de Loum ce 7 novembre 2018. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Pascal Zoua, sous-préfet de l'arrondissement de Loum, avec à ses côtés de nombreuses personnalités, toutes répondant aux invitations du président du conseil d'administration, François Mounet-Mahop. Cette cérémonie, qui rentre en droite ligne de la mise en œuvre du Fonds de développement et d'intervention sociale, FODIS, en était à sa première édition. Situant cet événement dans son contexte, le PCA, François Mounet-Mahop, dira qu'il s'agit d'une action de solidarité et traduit la volonté de la MC2 de Loum à contribuer au bien-être de ses mutualistes et des populations de Loum en général. On dit que les dons que nous faisons sont à caractère social. Donc il faut toucher les domaines sensibles, n'est-ce pas, comme disait le sous-préfet tout à l'heure, dans lesquels même le gouvernement ne s'en sort pas facilement, comme on l'a déclenché tout à l'heure. Il y a d'autres domaines bien sensibles, n'est-ce pas, qui après étude, n'est-ce pas, des mutualistes, verront, n'est-ce pas, un projet de la MC2 être mis sur pied. Encourager l'excellence scolaire à travers des bourses
Soutenir l'offre en soins de qualité par la dotation des structures sanitaires, valoriser le cadre de travail des apprenants dans les écoles, lycées et collèges à travers des tables bancs et la reconnaissance aux 100 premiers mutualistes agriculteurs qui ont reçu chacun un pulvérisateur. Des dons qui ont été reçus avec satisfaction par les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance à la MCD de Loum. Nous arrivons dans un lycée qui a beaucoup de problèmes, notamment les places assises pour les enfants. Maintenant que la MC Carré, par la FODIC, a vu juger nécessaire de nous offrir 40 tables bancs, c'est un sentiment de joie, c'est une bonne bouffée d'oxygène qui va nous permettre de mieux faire asseoir nos apprenants. Le sous-préfet de Loum va saluer cette disposition citoyenne de la MCD de Loum, dont il a félicité le dynamisme des dirigeants qui l'a exhorté à maintenir cette dynamique. Il y a beaucoup d'établissements de microfinance à l'instar de la MC2 qui foisonnent au Cameroun. L'adage dit qu'il est malheureux d'être heureux tout seul. Je suis très fier de la MC2. Leur intervention concerne des domaines très sensibles. Je leur souhaite bon vent et j'invite les autres établissements, il y en a beaucoup à Loum, de leur emboîter le pas pour le bien-être des populations et pour l'accompagnement sincère du pouvoir public. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Cédric Noufélé, cardinal Christian Toumi, reste optimiste malgré tout. Après ce deuxième report de la conférence générale anglophone, au moment où aucune nouvelle date officielle n'a été fixée, vous l'avez dit, il reste serein. Il continue de travailler avec les autres leaders religieux et co-organisateurs de la conférence générale anglophone pour préparer cette plateforme de dialogue entre les populations des régions anglophones. Il a fait savoir au micro de Equinox Télévision que le gouvernement a dit « pas maintenant ». Ils attendent une autorisation légale pour pouvoir s'engager dans cette voie. Paul Eric King, directeur de campagne de Maurice Kamto, lors de la dernière élection présidentielle, porte plainte à certains fonctionnaires de police. Il les accuse d'avoir mené des effractions chez lui durant le week-end dernier. Il estime qu'il les recherchait activement par certains éléments des forces de l'ordre pour ses choix politiques. Il a demandé l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs de ces infractions, également identifier, établir leurs responsabilités et les sanctionner s'ils sont reconnus coupables. Voilà, c'est donc l'essentiel du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, Equinox Soir, deuxième partie, le débrief, toujours en compagnie de nos quatre débatteurs.